Donc, le motoculteur, allez, ça avance. J'ai peint le support du guidon. Je l'ai réinstallé. J'ai remis le sélecteur de vitesse. La poulie d'entraînement. Il y a une pièce, je sais plus trop où ça va, donc c'est pas grave, ça, je vais attendre un petit peu. C'est juste le support de câble pour la tension de poulie. Bon, j'avais masqué pour la peinture le truc des vitesses. Voilà, bon, le résultat n'est pas terrible au niveau de peinture, mais c'est pour moi, hein. Celui-là, je dirais vraiment pour moi, celui-là, je le vends pas. Puisque c'est mon poteau Christian qui me l'a donné, je vais pas faire un petit dans le dos en le vendant derrière lui. Donc, même si je me fais un peu chier à adapter une charrue ou autre, comme les roues par exemple, qui manquent les adaptateurs apparemment, si c'est les bonnes dimensions de roues, ben, peu importe, ça on s'en fout. Donc là, voilà où j'en suis. Donc, j'ai graissé uniquement l'arbre. Ah oui, petite précision. J'ai graissé l'arbre de rotation du guidon. Mais il faut éviter de mettre de la graisse sur plein de choses. Parce qu'en fait, quand on laboure, c'est pas gênant. Mais quand on fraise, le problème, c'est que la poussière se décolle du sol et vient coller sur la graisse. Et après ça, ça fait un gros tas de merde. Il faut graisser uniquement les pièces qui ont besoin d'être graissées. Voilà. À bientôt.